Alors bonjour, je m'appelle Laurent Lemal, je suis le chef de la coopérative à Bélesta dans les Pyrénées-Orientales et aujourd'hui je vais vous présenter une cuisine un peu traditionnelle. On va faire une cocotte de pâte à la farine de barbu du Roussillon accompagnée de légumes primeurs et après beaucoup d'herbes sauvages et un peu de jambon de notre ami Jean-Jacques Chiffre à Sahor. Et pour accompagner ce plat, j'ai sélectionné un pavillon Saint-Pierre de la maison Boichon et Côtes-du-Rhône, à réserve 2012. Les vins des Côtes-du-Rhône sont des vins simples à découvrir et faciles à aimer. Principalement rouges, ils sont puissants et ronds, francs et plaisants. Destinés à de nombreuses alliances gourmandes, ils développent des arômes subtils de fruits. Du bouquet de fruits frais, fraises, framboises, aux fruits noirs et bien mûrs. Donc on va commencer par de l'oignon nouveau. On va émincer assez grossièrement, parce qu'en fait ça va faire toute la cuisson de nos légumes. Donc on taille nos légumes par rapport à l'ordre de cuisson. Donc là, les oignons, on peut les tailler assez gros. Donc en même temps, avec ces oignons nouveaux, j'ai également préparé des carottes fanes, des carottes de petits paysans, qu'on va couper aussi assez gros, pour toujours conserver un peu de mâche, parce que c'est toujours intéressant, quoi. Et je laisse les fanes. Les fanes, je les laisse parce que moi, j'aime bien ressentir le produit jusqu'au bout. J'aime bien avoir la fane, j'aime bien manger la fane avec la carotte, quoi. Et avec ça, on va également mettre quelques navets nouveaux. On va juste les ouvrir en deux. On va faire chauffer notre cocotte avec un peu d'huile d'olive. Donc en fait, le fait de démarrer ces légumes dès le départ, c'est ce qui va nous assurer en fait le côté aromatique. On va créer en fait un petit bouillon de légumes à base de carottes, de navets et d'oignons dans lequel en fait on viendra ajouter nos pâtes et nos légumes restants pour faire une liaison. L'idée en fait, c'est de faire un peu des pâtes comme un risotto mais végétal avec beaucoup de légumes et beaucoup d'herbes. Et pendant que nos légumes continuent de suer, on va préparer notre courgette jaune. Donc en fait, on va la couper en quatre. On va enlever le cœur de la courgette. En fait, si on enlève le cœur, c'est pour éviter qu'elle se déchipouille, c'est-à-dire qu'elle tombe complètement en miettes dans la préparation. L'idée, en fait, c'est de faire, pareil, des gros morceaux de courgette qu'on ajoutera au dernier moment pour qu'ils apportent, en fait, de la fraîcheur et du croquant. Donc là, en fait, que nos légumes... On voit qu'ils ont légèrement fondu, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus aussi fermes qu'au départ. Donc là, on va pouvoir ajouter le bouillon. Donc en fait, on va mettre un petit bouillon de volaille à hauteur des légumes. Et là, on va accélérer la cuisson pour qu'en fait, nos légumes ne perdent presque pas de couleur. On va les cuire très très vite, comme ça, le bouillon va réduire également très rapidement. Et ça nous permettra de garder une belle couleur et de garder le côté vert des fans de carottes et de navets. Pendant ce temps-là, en fait, on va blanchir nos pâtes. En fait, on va les dégager du premier amidon. Au moins, ça nous permettra d'avoir une pâte très ferme et qu'elle soit trop collante au niveau de la dégustation. Donc là, une fois que l'eau est bout, on va jeter nos pâtes dedans. Et on va compter 1 minute 30 de cuisson à peu près. En attendant, on va finir la préparation de nos tomates. Donc les tomates, en fait, elles ont été préalablement mondées. C'est-à-dire qu'en fait, on a enlevé la peau et les pépins. On va tailler des beaux triangles de tomates en fait. Donc les tomates comme les herbes et le jambon, on les mettra au dernier moment pour que ça apporte pareil un peu de douceur, un peu d'acidité et un côté fraîcheur. Donc après 1 minute 30 de cuisson, on va égoutter nos pâtes et on va les rafraîchir. Donc en fait, l'idée de les avoir blanchies, c'est vraiment pour enlever l'amidon, parce qu'en fait, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout cuites. Et le fait d'avoir enlevé l'amidon, en fait, elles vont se gorger du jus de légumes par la suite, et ça permettra aux pâtes d'avoir plus de goût et de garder une texture très ferme. Donc là, après quelques minutes de cuisson, nos carottes et nos navets sont prêts. On va pouvoir terminer le reste avec les courgettes. Donc en fait, après quelques minutes de cuisson, on voit que nos légumes... ils sont bien cuits, les oignons sont légèrement translucides, les carottes sont brillantes, mais elles ont gardé le côté vert, les navets également, c'est le fait de cuire vraiment très très vite, quoi. Donc ensuite, on va ajouter nos courgettes jaunes qu'on avait coupées tout à l'heure, nos quelques petits pois crus, et on va remettre en cuisson. Donc c'est pareil, toujours à cuisson très vive, pour que les légumes, en fait, ils n'aient pas le temps de changer de couleur. Il faut vraiment aller très très vite, ça permettra d'avoir une meilleure tenue des légumes, une meilleure consistance et surtout plus de goût. Donc ensuite, on va rajouter nos courgettes, nos asperges vertes. On a préalablement blanchi
nos fèvettes qu'on a également pelées et blanchies. Donc là, en fait, on a encore beaucoup de jus. Mais ça, c'est normal parce que maintenant, on va ajouter nos pâtes. Donc nos pâtes qui sont juste blanchies, elles vont pomper ce jus-là. Et ensuite, on va faire une liaison avec du parmesan. Ce qui permettra en fait, de créer des pâtes comme un risotto avec beaucoup de légumes. On n'hésite pas à resaler un peu aussi après la cuisson des pâtes. Une fois qu'on a bien mélangé, on redémarre à feu vif. Donc une fois qu'on a remis les pâtes, on va compter à peu près 2 minutes de cuisson maximum. Il ne faut surtout pas que les pâtes elles partent. Il ne faut surtout pas que les pâtes en fait deviennent trop molles, trop cuites. Ça gâcherait un peu le plat, quoi. Donc là, j'ai préparé du parmesan râpé, très fin. Alors ça peut être remplacé par des tomes assez vieilles. Il faut que ça fasse une liaison entre les pâtes, les légumes et le jus, quoi. Donc le parmesan, il est râpé très fin, ça c'est volontaire. C'est pour que quand on le met au dernier moment, en fait, la liaison soit flash, soit rapide, quoi. Il faut vraiment que ce soit une cuisine de moment, une cuisine de dernière minute, quoi. Je vous fais voir. Donc là, on voit bien qu'en fait, les pâtes, le jus et les légumes en fait commencent à se lier. On voit aussi que les pâtes elles commencent à cuire parce qu'elles commencent à être ramollies, à égorger de jus. Donc ça fait une liaison, ça fait un peu comme il y a encore de l'amidon dans les pâtes, donc ça fait une liaison assez naturelle. Donc là-dessus on va rajouter un peu d'huile d'olive, un peu de parmesan et on va terminer avec le jambon et les herbes sauvages. En fait, on voit bien qu'une fois que le parmesan il est mis, en fait, ça crée une liaison assez instantanée. Et du coup, en fait, on voit bien que nos légumes et nos pâtes se glacent bien de ce jus de légumes réduit et émulsionné au parmesan. Et une fois qu'on a fait notre liaison au parmesan, à la fin, et vraiment tout à la fin, on rajoute les tomates. Ça c'est pour garder le côté croquant et le côté très frais de la tomate, quoi. Pour finir le plat, nous allons rajouter quelques tranches de jambon de la maison Chiffre à Sahor. Alors, j'ai pas poivré volontairement le plat parce que c'est un jambon qui est relativement poivré et du coup, en fait, ça apportera ce supplément de poivre au plat, quoi. Et après, on va s'amuser à mettre quelques herbes sauvages. Hop, un peu de cresson à les noix, quelques petites feuilles de rosulaire, un peu d'arroche, un peu de mouron des oiseaux. Quelques feuilles de mizuna pourpre et quelques feuilles de mizuna vert pour terminer. Alors la mizuna, ça a l'avantage d'apporter un petit goût moutardé, donc ça viendra également relever les légumes et le plat. On termine par un filet d'huile d'olive. Et voilà. Pour accompagner ce plat, j'ai sélectionné un pavillon Saint-Pierre de la maison Boichon des Côtes-du-Rhône. La maison Boichon rejoint les vins de la famille Scali en 2011 et entre dans une nouvelle ère. Des cuvées d'une formidable finesse et complexité sont imaginées dans les règles de l'art des appellations du Rhône, déclinant avec rondeur et générosité des palettes d'arômes étonnamment fruitées et épicées. Les vins maison Boichon se définissent aujourd'hui comme des vins fins, élégants, généreux et respectueux de leurs origines. Avec ses notes de cerise noire et de cassis, ce vin accompagnera parfaitement la cocotte de pâtes, de légumes, cuisinée comme un risotto.